Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Finina, beaucoup bonnes questions concernant relations familiales, concernant relations monsieur et madame, concernant relations beau-père et zan, concernant belle-fille et belle-mère. Alors, beaucoup de problèmes, comme on est déjà au courant, beaucoup de problèmes dans la vie conjugale, la vie familiale. Parfois, monsieur abusé, pas travail, fait madame travail, assise la case, reste le portable. Parfois, madame désobéissant dans la case. Parfois, belle-mère, route contrôle, belle-fille. Parfois, beau-père, route contrôle, monsieur. Parfois, arriver une vieille bonne femme, une vieille maman, qui n'y peine à personne. Mais seulement, belle-fille, insiste, non, moi, pas pour rester avec ton maman. Mais maman, la coûte pour aller. Parfois, les vice versa. Madame Lali, son bon frère, c'est il finit aller ou bien finit mot, résiste son vieille maman, qui dit pour faire ce est-ce que Michel là dit non, mais moi pas, une princesse ton maman, moi pas princesse ton maman. Il y a beaucoup de situations difficiles qui nos bon frères peuvent faire face et nos bonnes sœurs peuvent faire face et ainsi que nos bonnes parents peuvent faire face dans la vie conjugale, la vie familiale. Alors, qui solution, frères en islam et sœurs en islam? Tout d'abord, plus grande solution, c'est taqwa Allah. Nous, plus grande solution, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui a taqwa Allah, la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, il vit dans l'obéissance à la limite, dans la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour trouver une solution pour lui. Pour trouver une solution pour lui, pour trouver une cime sortie pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. C'est lui qui a la crainte pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour trouver une guidance pour lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, nous solution, c'est Allah. Lève la main et demande Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta muqinun bil ijaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux demander Allah, il a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pour répondre. Inna Allah la yastahi an yarudda abdahu sifra. Allah subhanahu wa ta'ala lui honte pour retourner son esclave zéro. Allah paraît-nous zéro si nous sincères et nous convainc qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous. Allah est la capacité de toute chose. Nous, solution, nous limiter nous. Arrive un moment, nous peine la solution. Mais Allah, ce solution, il s'en limite. Si nous peine la solution, nous trouvons coincé. Vous ne pas connaître qui m'a pour faire. Est-ce qu'il m'a pour appeler mon belle-mère là ou bien non? Est-ce qu'il comment m'a pour faire pour mon maman, mon madame, papa d'accord? Ou bien mon maman peut faire problème avec mon madame? Ou bien mon madame peut faire problème avec mon maman, avec mon parent? Comment vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas connaître qui vous pouvez faire. Vous pouvez trouver humilié. Vous pouvez déchirer en deux parties. Lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, solution, les humains, les limités, Allah, les solutions, les parfaits, et Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de toutes choses. Lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième solution, frères en islam et sœurs en islam, l'important pour un dialogue. Nous, vous êtes braves. Si arrivé, nous capables d'assiser. Faire belle-mère, beau-père, zan, assisé, ou bien monsieur et madame assisé, si c'était un problème entre monsieur et madame, si c'est un problème entre belle-mère et belle-fille, beau-père, zan, ou bien si la famille a un problème, assisé comme mandibun éduqué, n'a pas la guerre, n'a pas révolté, n'a pas fait un coup bas, veut dire là, m'a fait l'agression, ou bien m'a prend l'honneur, ou bien m'a mis PC d'imoun déo. Si moi envie de trouver une solution, mon besoin reste dans mon limite, comme m'a dit mon éduqué, comme m'a dit mon kina iman, nous assiser, nous causer, nous trouver une solution. Faudrait nous mettre problème là, l'eau la table, pour nous capables de trouver une solution. Si nous capables de dialoguer, nous dialoguer. Si nous pas capables de dialoguer, frère en islam, mais moi capable individuellement, causer avec mon madame, faire lui comprendre qui mon maman coûte pour aller voir-même. Coûte pour aller, si moi pas amené dans mon la case, maman de garçon, mais qui va vous faire mon maman pour rester tout seul, il y en a 80 bananes, les présidents de la casse tout seul, à soi, il n'est pas trouvé, comment va vous faire? Nous avons besoin d'une saniette dans nous, nous avons besoin d'une humanité dans nous, qu'il soit pour une belle-mère, pour un beau-père, pour une maman, nous avons besoin d'une belle-mère aussi, nous avons besoin d'une humanité pour savoir sur so belle-fille, et sur so belle-fille, il est capable, il y a parfois un malentendu, un tiraillement, mais nous restons insane. Nous avons besoin parfois par bise de nos positions. Une maman ne besoin pas bise de nos positions en tant qu'une maman. Une belle-fille, bizarre, pas habillée de sa position en tant qu'une madame de la case. Nous tous, bizarre, qu'on nous limite parce que Allah peut guider nous. Nous, bizarre, faire attention. Qu'il nous pas faire zulm. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas content l'injustice. Ya ibadi, ô mon bon esclave, inni haramtu zulma ala nafsi.
مو فين فيها انجستيس حرام لو مهم الله فين فيها انجستيس حرام لو لمم وجعلته محرما بينكم et moi fait l'injustice en zut haram fala tadhalamu alors on n'a pas fait l'injustice donc faudrait pas nous faire l'injustice surtout sa sœur qui peut dire elle peut plaindre sur la misère elle peut dire mon monsieur pas travail et assise dans la case rien à faire et moi mal travail et comme au vini là aussi mon gars maltraité mon donné chigit manger paix Allah subhanahu wa ta'ala paix Allah subhanahu wa ta'ala Allah capable trapou dans n'importe qui moment n'a pas bise le faveur Allah ou assez bon qui on gagne madame qui peut les sous dans la case ou peut assiser comme à dire ou peut prendre son rôle qu'une madame bizarre la case lili peut travail comme un zoom en déo ou peut bise l'oli ou bien paix Allah subhanahu wa ta'ala paix punition Allah subhanahu wa ta'ala comme t'a dit nous te donne peut-être demain frère en islam ou capable souffrir quand Allah subhanahu wa ta'ala pour sanctionner peut-être demain ça qui grandit monde fait des enfants capables parfois subir pour faire au senti qui ouvre une faire avec les enfants du monde ça madame là il y a des enfants pour un du monde ou bien pas faire zulm n'a pas fait injustice pareil donc frère en islam le besoin si vous capable individuellement causer si vous capable individuellement faire comprendre faire comprendre mais sinon frère en islam troisième situation aussi nous besoin capable si nous capable nous pas capable si nous capable faire un du monde causer si nous capable faire un du monde sage un imam un alim les capable de donner un conseil directement ou bien indirectement et qui savent dans leurs oreilles si un dimoun est un iman, les pour bénéficier. Wadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Fais rappel parce qu'il rappel les profite ban dimoun qui na iman. C'est lui qui peut abise le sobel fi, c'est lui qui peut abise le sobel mer, c'est lui qui peut abise le son madame, c'est lui qui peut abise le son monsieur. C'est lui qui peut faire zulm l'injustice dans sa vie. Quand il putan Allah quand il putain de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il est un iman, obligé qu'il s'a bénéficié. Il n'est pas capable, ça pas bénéficié. Si ça pas bénéficié, il est besoin d'un tracas de ce iman. Tension, il peut être un iman, tension, ce iman, puis il teint. Alors donc, nous capables faire un dimon, faire appel. Mais sinon, frère en islam, il y a une solution qui peut dire, si un mariage, pas bien marié. Si vous trouvez qu'un monsieur pareil, qui, vous trouvez lui, il peut abuser l'eau, vous trouvez lui, il peut exploiter où? Ou peut causer lui, ou faire causer lui? Il peut agresser où? Il peut faire au travail? Il peut manger ou nourriture? Il peut pas guider aux enfants? Il peut assiser dans la case et dire c'est supportable? Si ou en a, si toute sa solution pas de marche, pas de marcher, mais ou en a des options finales. Soit on prend patience. Inna Allah ma'as sabirin. Allah y a vite ben qui a patience. Mais Allah zamen diaou, reste comme ça même, laisse ou puni jusqu'à la mort. Parce que ça m'a une qualité d'homme, je peux attendre nous, fini vieilli, je peux attendre nous, fini. Je veux dire, fini par être vieux avant ou l'âge, là, là, je peux quitter ou atterrir, je peux aller. Si vous trouvez dans une situation pareille, vous pouvez trouver qu'il vous est capable de faire ça avec vous, mais il y a une solution qui s'appelle talak. Il y a une solution qui s'appelle talak, ou demande ou talak, ou elle refaire ou la vie. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, فَسَوْفَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ Allah subhanahu wa ta'ala, l'époux facilite ou l'époux met bénédiction dans vos décisions. Parce qu'il est victime. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit, la dharar wa la dharar. N'a pas laissé Jimoun abise l'eau faire audito et n'a pas fait audito aux personnes. Si vous trouvez aucune solution pas de marquer, ou encore jeune, ou encore jeune, ou capable de refaire la vie, fait bismillah. Si tout ça qui nous dit pas de marquer, fait bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ma'as sabirin. Allah avec ban qui n'a patience. Allah subhanahu wa ta'ala pour soutenir vous. Pareil comme ça même. Si vous madame, après toute sa solution, n'est pas d'accord, n'est pas fait sans tasse, soit moi, soit ton maman. Mais ton maman pas pour venir rester dans la case. Et vous n'avez personne pour occuper ou maman en danger. Mais si tout ça n'a pas de marché, mais vous connaissez qui besoin faire. Parce qu'il n'y a pas qu'à laisser une maman. N'est pas une question maman, ça, une question insaniette ça. Mais où est-ce que maman, d'un coup, si il tombe qui arrive. Si Jimon vient rentrer dans la case, une tuerie qui peut arriver. La même chose pour une belle-mère aussi. Si une madame, il y a une vieille maman qui peine à personne, son frère qui se peut guetter le mot, il y en a 90 ans, le besoin qui vient pour guetter le pour bainer le pour me donner le manger, Michel a dit non, si tu amènes ton maman ici, moi quitte toi. Ah ben si on fait des comprends tout, mais qui vous faire? Qui est plus grave? Ou laisse ou maman mort dans la case et tout seul, ou bien, ou dire, ben, monsieur là, ben, si tu, soit ça, soit mon besoin, quitte ton mari. Alors donc, tout qui se gêne à cette solution. Mais nous parler qui, nous frères musulmans, nous frères musulmans et sœurs musulmans, nous parler qui, nous enlever séparation, nous enlever talak. Mais seulement,
Nous avons toute forme de solution, mais un démon n'est pas assisé comme ça même, et il crie, mais c'est malgré sans place. Nous trouvons une solution pour nos problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être nous. Lève l'armée avec Allah, demande conseil, demande un démon qui n'a pas ce conseil, cause avec ou ben confronte ou problème avec ou ben un démon concerné, mais si tout ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'Allah fait mettre talak. Pas mettre talak pour jouer ça, pas mettre talak pour badina ça. Talak, c'est un simé sorti honorable quand aucune solution pas marché. Donc, le fait de raquer Allah subhanahu wa ta'ala, protège-moi, protège-nous tout, protège-nous familles. Et nous, si nous avons bonne volonté, Allah subhanahu wa ta'ala peut être nous. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre toute cette qualité de solution. Nous faisons dua pour sa bonne frère, sa bonne soeur, sa bonne belle-mère, sa bonne belle-fille, sa bonne dimonde de sa bonne difficulté. Nous faisons dua pour nous tous, bonne frère, nos bonnes frères musulmans, qui ont des difficultés de sa bonne jour, de sa bonne moment. Que Allah subhanahu wa ta'ala soulage nous la peine. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait pitié de nous. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, aide nous. Rabbi la takilna ila anfusina tarfata ayn. C'est un dua qui vous besoin de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allahumma, oh Allah. La takilni ila nafsi tarfata ayn. N'a pas quitte-moi, dépanne-le moi-même, même pour une fraction, battement molisier. N'a pas laissé nous-mêmes dépanne-le nous. Oh Allah, toujours aide, reste avec moi dans mon problème. Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, guide-moi, soutenez-moi dans mon problème. C'est ça qu'il nous a demandé. Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage nous la peine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.